ouvrant avec moi la parole de Dieu, nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous allons nous candidater à Lévitique. Chapitre 8. Lévitique chapitre 25, pardon. Verset 8 à 10. Lévitique chapitre 25, verset 8 qui nous dit. Et puis Luc chapitre 18, le verset 19. Et Mukanda, Luca 18, verset 19. Voilà. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Oui, goûter les mains pour nakotang à l'irobananzambe. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu compteras sept sabbats d'années, sept fois sept ans. Et le jour de ces sept sabbats d'années feront 49 ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Amen. Amen. Luc chapitre 4, le verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je prends comme thème la saison du jubilé. La vie, le col, la maman, les cambo et les quoi jubilé. Le jubilé vient du mot jobel. Jubilé, oui, na combo jobel, qui signifie corne de bélier. Ou il a dit ma seke nyama. Ou même trompette de liberté. Trompette ya bosomi. Et pendant le jubilé, on devait sonner la trompette. Na tangwa jubilé singele ko ganga nzela trompette. Cette trompette annonçait à tout le monde que nous sommes dans l'année du jubilé. Trompette wana bena ko talisa na batu nyonso to sala tango ya jubilé. C'est de là qu'est venu le mot jubilé. Ezana wanande kombo ya jubilé. Et quand nous lisons dans Lévitique chapitre 25, nous voyons que Dieu va ordonner aux enfants d'Israël d'observer une année tous les 50 ans, 7 fois 7 années. Ce qui fait 49. Et les 50e année. Les 50e boula. Ils doivent célébrer le jubilé. Sengeliba sepela o ezali jubilé. Et pendant le jubilé, il y avait beaucoup de bénédictions. Et na tango jubilé zaki na mapambo li ebele. Je sais qu'on a eu à nous parler de cela. Na ebi ete basili kolobela biso yango na tina. Si je reviens sur certaines choses, gloire à Dieu. Ce qui na zongi na biloko msusu kembo na nzambe. Et si j'ajoute d'autres, ce qui na na baksi msusu, c'est pour que on se complète. Les apôtres étaient tout bakisana. Mais principalement pendant le jubilé, il y avait quatre bénédictions. Premièrement, le repos. On devait laisser la terre se reposer. Pas seulement la terre, même les hommes.
devait se reposer pendant le jubilé. C'était une année de repos. Deuxièmement, le jubilé. C'était aussi une année où on annulait toutes les dettes. Jubilé, c'est là qui peut mbula au bandeau kolongola banyongo nyoso. Tu peux avoir la dette de quelqu'un. Ouais, quoi ça n'ayant moto. Quand c'est arrivé le jubilé, dans le commun mbula le jubilé, on efface toutes les dettes. Bah longoli banyongo nyoso. On remet le compteur à zéro. Bah zongi sinyoso na zéro. Ma prière. Que Dieu te fasse entrer dans le jubilé au nom de Jésus. Dans le jubilé au nom de Jésus-Christ. Annulation de toutes les dettes. Même quand tu devais à quelqu'un, quand c'est le jubilé, tu commences à jubiler, à célébrer parce que la dette est effacée. Troisièmement, il y a mis ça tout. Le jubilé, c'était une année de liberté. Et ça qui jubilé, ça qui mboule à bosomi. On libérait tout le monde. On proclamait la liberté sur tout le pays. Si on t'arrête, ce qui va kangio, et on arrive à l'année du jubilé, on ouvre toutes les prisons. Tous les captifs doivent sortir. Parce que c'est le jubilé. C'était une année de libération. Zalaki mbula oyo ya bosomi. Je vais revenir sur ça. Et quatrième bénédiction du jubilé, c'était la restauration. On dit que chacun devait retourner à sa propriété. Chacun devait retourner à ce qui lui appartient. C'est ça le jubilé. Chacun devait prendre possession de son héritage. Il y a des gens pour une raison ou une autre qui ont perdu leur héritage. Mais quand c'est le jubilé, ils doivent rentrer dans ce qu'il y a eu. Oh, je te vois rentrer dans ton héritage. Je te vois rentrer dans tes bénédictions. Quelqu'un va rentrer dans la vie que Dieu a prévue pour lui. Donc, pendant le jubilé, il y avait la liberté, il y avait le repos, il y avait la paix, il y avait la restauration. Et quand nous regardons tous les éléments du jubilé, nous comprenons que le jubilé, était jubilé. Que Dieu avait institué dans l'Ancien Testament. C'était l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est entré dans le temple. Il a ouvert juste là où on parlait du jubilé. Et il a commencé à proclamer cela. À proclamer. Du jubilé. Pour dire que moi Jésus, je suis le vrai jubilé. Moi Jésus, je donne la liberté. Moi Jésus, je donne le repos. Moi Jésus, je restaure les vies. Et en lisant, il dit, il proclame l'année du Seigneur. L'année du jubilé. Donc Jésus est le jubilé. Il nous fait entrer dans le jubilé. Il n'y a pas de jubilé sans Jésus. Jésus vient nous introduire dans le jubilé. Et un des éléments qui a retenu mon attention que je vais partager ce soir, on dit à la 50e année, on devait proclamer la liberté. La liberté. Christ, dans son discours de jubilé, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour proclamer la délivrance aux captifs.
Donc je comprends par là que le jubilé, c'est un temps de libération. Jubilé, c'est un temps de délivrance. Jubilé, c'est un temps de délivrance. Et ce soir, pourquoi les lots? Alors que nous sommes dans la saison du jubilé. Je te vois retrouver ta liberté. Donc pendant le jubilé, il y avait des gens qui avaient perdu leur liberté. Et quand arrive le moment du jubilé, on doit sonner la trompette. Oh, la trompette, c'est la parole de Dieu. Ce soir, je viens avec la parole de Dieu. Pourquoi le Néné le Banzambe? Déclarer que tu es libre. On a goûté ton libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Parce que Jésus est notre jubilé. Pour être Yesu aza jubilé na biso. Proclamer la liberté. Kotato la bonsomi. On dit à la 50e année. Balobi na 50e boule. On devait proclamer la liberté. Seigneur qui va tato la bonsomi. Galates 5 verset 1. La Bible dit c'est pour la liberté. Bible le baisa pour la bonsomi que Christ nous a affranchis. N'était Christ a-t-il à confuter à la petite dans la biseau. Malheureusement dans nos églises aujourd'hui, kasi mamingi pour la église dans la biseau lelo. Il y a beaucoup de prisonniers. Et ça n'a pas kangami ebele. Un prisonnier, mokangami, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Azali moto yo ba botolier bonsomi. Un prisonnier, mokangami, c'est quelqu'un qui est lié. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est enchaîné. Un prisonnier, c'est un captif. Beaucoup sont dans l'église, mais se retrouvent dans des prisons sataniques. D'autres sont là ce soir. Ils sont privés de la liberté de travailler. Ils ont des diplômes, mais pas de travail. Parce qu'on leur a privé cette liberté. D'autres, on les a privé la liberté de se marier. Ce sont des belles femmes avec des belles manières, mais pas de mariage, parce que quelqu'un a confisqué la liberté. D'autres sont là, on a confisqué la liberté de voyager. Ils font du surplace. Ils n'arrivent pas à voyager. Il y a même des gens qui sont nés à Barumbu qui vont mourir à Barumbu. Ils n'ont jamais sorti. Parce que en chemin, ils sont enchaînés, enfermés. Ils sont jamais sortis. Parce que enchaînés, enfermés. Ils sont enchaînés. En cette saison du jubilé, je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois voyager. Je te vois prendre des avions au nom de Jésus. C'est le jubilé. Eza jubilé. C'est la liberté. Eza bonsomi. Mais hélas, si. Beaucoup de gens sont prisonniers. Ebele bazana baboloko. L'ennemi les a privés la liberté. Bonguna botola bango bonsomi. La liberté de procréer. Bonsomi akobota. Il y a des femmes qui sont mariées qui n'ont pas d'enfants. Basi babala kasi bazana bana te. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Wana musala ya monguna. D'autres on les a privés la liberté de prospérer. Basusu bakanga babotola bango bonsomi akofuluka. Leur vie ne va jamais de l'avant. Bomoi na bango kenda kali bosote. Ils sont en train de tourner en rond. Bazo baluka kesika bon. Cette saison du jubilé. Je te vois récupérer ta liberté. Je te vois récupérer ta liberté au nom de Jésus. C'est pour la liberté. Et ça pour la bonsomi. Que Christ nous a affranchis. De Christ toi ya kosala. Tout homme fort. Mutunyo so makasi. Toute femme forte. Moi sino so makasi. Qui t'a privé la liberté. Oh abotola bonsomi. En cette saison de jubilé. L'écho ya jubilé. Cette personne sera paralysée. Mutuana go kwea. Paralysée. Ago kwea. Paralysée. Ago kwea. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu wa Nazareth. Comment reconnaître qu'on est en prison? Quels sont les signes qui peuvent nous montrer que nous sommes des prisonniers? Voilà quelques signes que je vais donner. Pour t'aider à comprendre. Parce que le jubilé, c'est une saison de liberté.
Tu dois être totalement libre. Seigneur, pour servir Dieu. Tu dois être totalement libre. Seigneur, pour suivre Dieu. Mais comment reconnaître que sa vie est en prison? Voici quelques signes. Premièrement, il y a des sérieuses limitations. Des sérieuses limitations. Genèse 39, le verset 20. Genèse 39, verset 20. La Bible dit ceci. Il prit Joseph et il le mit dans la prison, les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Quand quelqu'un est dans la prison, la personne sera enfermée. Limité. Asuki. La personne va tourner en rond. Motoana go baluke sika moko. Chaque fois que tu consens dans ta vie. Que tu tournes en rond. Et tu zo baluke sika moko. Chaque fois que tu consens dans ta vie. Tangu munyo sozo mona na bomo inayo. Tu es enfermé. Osuki. Tu n'arrives pas à sortir d'une situation. Ozo koka ko bimba na likamu moko te. Sache que tu es en prison. Yeba et kozana boloko. Des sérieuses limitations. Bosuki ya makasi. Il y en a qui n'arrivent pas à dépasser un certain niveau. Et c'est là-bas ils ont beaucoup à coller et puis mais côté. Parce qu'ils sont en prison. Pour être basé à Boloko. Une vie de limitation. Bon moi Yeshua. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Okoye koliete oyoli. Tu ne peux pas voyager. Okoye kozomi bembo. Tu es là cloué. Ozano kangama. On dit il était enfermé. Mais le bezala qui a ko kangama. La prière. Les bons de l'inanga. Cette saison du jubilé. Mais les cours du jubilé. Et toute prison satanique. Boloko ne se satana. Soit brisé. Et panzana na komona es. Et panzana na komona es. Et panzana na komona es. Ce soir je viens avec l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi le nom est pas quoi mon Saint-Esprit? Pour proclamer la liberté. Pour la cotate la bonsoir. Pour proclamer la liberté. Pour la cotate la bonsoir. Pour proclamer la liberté. Pour la cotate la bonsoir. Pour proclamer la liberté. Pour la cotate la bonsoir. Au nom de Jésus-Christ. Na komona es. Quand on est enfermé. On n'arrive pas à s'épanouir. On n'arrive pas à aller de l'avant. Sache que notre vie est en prison. Pour d'autres, c'est leur famille. Vous sentez que tous dans la famille, vous êtes au même endroit. Vous n'arrivez pas à aller aussi loin. Vous êtes limité. Ça, c'est l'emprisonnement. C'est l'emprisonnement. Il y a des gens qui sont dans des prisons à ciel ouvert. Tu peux respirer. Ozo pema. Tu peux manger. Ozo lia. Tu peux regarder la télévision. Quelle que soit la prison où tu te trouves, je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Je proclame la liberté. Au nom de Jésus-Christ. On est enfermé. Tokangami. On tourne en rond. Les années sont en train de passer. C'est parce qu'on est en prison. Vous savez une des caractéristiques du prisonnier. C'est que le prisonnier constate que seulement l'âge qui avance dans sa vie. Toutes choses sont stationnées. C'est seulement l'âge qui avance. Ce soir. Pourquoi les lots? Je proclame ta sortie au nom de Jésus. 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 Être enfermé. Kozala ya kokangama. Même dans tes rêves. Attaque on a bandeau. Quand tu te vois, tu es enfermé. Tango zo loto zaka. Tu n'arrives pas à sortir d'une maison. Ozoko kobima nanda kumokoto. Tu n'arrives pas à sortir d'un lieu. Ozoko kobima nesika mokoto. Tu fais des efforts, tu te réveilles. Ozo sala bokasi olamuki. Sache que ta vie est en prison. Yeba bomo ineza na boloko. Tu as besoin de la délivrance. Ozana posa bokangolami. D'autres sont enfermés dans la maison familiale. Basizu bakangama nanda kwa libota. Il ne se passe pas une histoire qui se voit en famille. Ezo le kabutu mokoto tama azanga komona buta azanga libota. Quand vous regardez leur vie, les sérieuses limitations. Il n'arrive pas à voyager. Il n'arrive pas à se marier. Il n'arrive pas à s'épanouir. Parce qu'ils sont en prison. Je te vois sortir au nom de Jésus. Je te vois sortir au nom de Jésus. Un homme de Dieu peut être
dans la prison. Pierre était en prison. Donc tu peux être là, tu sers Dieu, mais tu es emprisonné. De sérieuses limitations. Deuxième signe, c'est l'isolement et la solitude. Dans Luc 7, le verset 27 à 35, on nous parle de l'homme de Gadara. Cet homme était en prison. Et il était seul. Sa famille l'avait abandonné. Il vivait dans l'isolement. Et dans la solitude. Quand tu es emprisonné, tu seras rejeté. Quand tu es emprisonné, tu mèneras une vie de solitude. L'homme de Gadara, Moto Gadara était en prison. Azalaki na boloko. Et récemment, Malamu, que Jésus est intervenu. Et Yesu ayaki kokota. La prière ce soir. Libondeli nanga na popo lelo. Que Jésus intervienne pour ton cas. Yesu akota likambo na yo. Que Jésus intervienne pour le cas de ta famille. Yesu akota likambo libota na yo. De Jésus. Jésus est intervenu. Yesu akote li. Et il a été libéré. Pe azwa ki bosoni. Cette saison. Na eleko oyo ya jubilé. Okozwa bosoni. Okozwa bosoni. Okozwa bosoni. Okozwa bosoni. Okozwa bosoni. La solitude. L'isolement. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Ils peuvent être au milieu des gens, mais ils sont en train de souffrir seuls. Mais en cette saison du jubilé, je te vois recevoir ta délivrance. D'autres sont isolés, abandonnés. Pour que personne ne puisse les aider. Rappelez-vous de l'homme à la piscine de Bethesda. Il a dit, je suis seul. Je n'ai personne. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils n'ont personne. Dieu nous bénit au travers les relations. Si tu n'as personne, tu vas souffrir. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi Satan. Et quand il te met en prison, il t'isole. Quand il te met en prison, il te sépare des gens. Comme ça, les gens ne peuvent pas t'aider. Comme ça, tu vas souffrir jusqu'à mourir. Jésus est l'ami fidèle. Dans ta prison, il va apparaître. Et il va te faire sortir. L'isolement et la solitude. Je me rappelle quand j'étais parti à Charleroi en Belgique. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était en prison. L'ennemi l'a isolée. Et elle voulait se suicider. Il dit, pasteur, je suis en train d'envisager le suicide. C'est trop pour moi. Et l'équipe en angaï. Non, je ne peux plus supporter ça. Mieux vaut mourir que vivre ce que je suis en train de vivre. Elle était seule. Elle vivait seule. Dans son appartement. Et le diable est venu. Commençait à mettre des pensées de suicide. Sachez que le diable est spécialiste. Quand il te met en prison, il t'isole. Les gens qui peuvent t'aider, te donner des bons conseils pour que tu puisses t'en sortir, il le fait fuir loin de toi. L'homme a dit, je n'ai personne. Je souffre. Parce que je n'ai personne. Je te vois être libéré. Nazomona okobima na kombo na Yesu.
Troisième signe. Et l'embo a mis ça tout. C'est le sentiment d'impuissance. Quand on est en prison, on est sans défense. Quand on est en prison, on est sans force. Matthieu 14, le verset 3 à 4. Matthieu 14, 3 qui nous a 4. On nous parle de Jean-Baptiste. Un grand prophète. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de comme lui. C'est un grand prophète. Il a marché avec l'onction d'Élie. Mais à un moment de sa vie, il se retrouve en prison. La Bible dit car Hérode qui avait arrêté Jean l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Ce grand prophète s'est trouvé en prison. Il était sans protection. Sans force. On a coupé sa tête. Quand tu es en prison, tu seras une proie facile à lier. Quand tu es en prison, tu seras une victime du diable. Prenons l'exemple d'un lion qui est mis dans une cage. Le fait qu'il se retrouve dans une cage, le lion ne peut pas se défendre. N'importe qui peut le taper. N'importe qui peut le tuer. Parce qu'il est dans une cage. On est dans une prison. On est faible. On est vulnérable. Tout sorcier peut nous attaquer. Tout sorcier peut blaguer avec nous. Parce que nous sommes en prison. À cause de la saison du jubilé. Je déclare et je prophétise. Tu ne mourras pas dans ta prison. Tu ne mourras pas dans ta prison. Tu ne mourras pas dans ta prison. Tu sortiras. Jean-Baptiste est mort en prison. Il est mort en prison. On a coupé sa tête. Dans une prison, il était sans force. Sans puissance. Quand tu sens que tu es impuissant, tu ne peux pas faire face à certaines situations. Sache que ta vie est en prison. Tu as besoin de la délivrance. Quatrièmement, une vie d'imposition. Vous avez le fait d'être en prison. Veut dire qu'on t'impose des choses. Un prisonnier n'a pas de choix. Il ne peut pas choisir sa nourriture. Il ne peut pas choisir ses vêtements. On lui impose certaines choses. Certains d'entre nous, on vous a imposé la pauvreté. Vous n'avez pas le choix. Parce que vous êtes en prison. Donc on vous a imposé le célibat. Parce que vous êtes en prison. Donc quand quelqu'un est en prison, il vit une vie d'imposition. On t'impose des choses. On ne demande pas ton avis. C'est comme ça. Tu dois supporter. C'est là. Et une des choses qu'on impose aux prisonniers, c'est le vêtement. Genèse 41, verset 14. La Bible dit ceci. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. Changea de vêtements. Et il s'est rendu vers Pharaon.
Il changeait de vêtements. Pourquoi il devait changer de vêtements? Parce qu'il devait sortir en prison. Il avait un vêtement qu'on lui avait imposé. Le vêtement de prison. C'est ce qu'il avait. Rappelez-vous. Bobanza. Quand on lui a jeté en prison, la femme de Potiphar avait pris son vêtement. Moi si à Potiphar a soit qui est l'ambana. Donc Joseph a commencé à porter les vêtements des prisonniers. Joseph a vendu la collette de bilamba par Kanga. Quand on lui a imposé ces vêtements-là, la pécier l'ambana nanko. Quand tu es en prison, Tangozana boloko, on va t'imposer certains vêtements. Bako pesa yo bilamba nanko. Tu ne vas pas choisir. Okoponate. Mais c'est comme ça. Eza bongo. Le vêtement d'esclavage. Bilamba ya boumbu. Quelqu'un qui est en prison est appelé à servir. Motoza na boloko abengami ya sala. Il y a beaucoup qui portent des vêtements d'esclavage. Ezana bato balata ka bilamba boumbu. Tu es appelé à servir. Obengami yo sala. Tu es un esclave. Ozali moumbu. On t'impose de servir. Ba pesu ba yo sala nanko. Tu ne peux pas être servi. Oko bako iko sala la yote. Mais c'est toi qui dois servir. Kasi yonde Seigneur c'est pourquoi certains quand même vous faites le bien. Et on doit vous payer en monnaie de saint. Seigneur liba futa yo nanenga mabe kaka. Parce que vous avez en vous le vêtement d'esclave. Oui, te bozaka tizabino bilamba ya boumu. Le vêtement de prisonnier. Bilamba ya bokangami. Joseph dans la prison. Joseph na boloko. Il s'est mis à servir. Ami tiena ko sala. Il avait le vêtement d'esclave, il n'avait pas de choix. Azaki ne lamba ya moumbu, azaki na kopona eloko kopona te. Il a commencé à interpréter les rêves des autres. Abandi ko limbo la bandoto ba susu. Pendant que son rêve était au point mort. Tangwana ndoto na yemo ko telemaki. Il a commencé à interpréter les rêves des autres. Abandi ko limbo la bandoto ba susu. Et là en prison. Wana na boloko. Il a interprété deux rêves. Des ministres de Pharaon. Alimoli bandotomi balé à bateau basala kana falo. L'un a été promis. Moko batombo la kie. L'autre a été tué. Mususu baboma kie. Et celui qui a été promis. Oyo basile ko tombola. Avant de sortir en prison. Yambo abima na boloko. Joseph lui a dit souviens-toi de moi. Joseph a ébisé kani sangai. Mais la Bible dit quand il est sorti. La Bible le bitango abimi. Il a oublié. A bosani. Quand tu es en prison. Tango za na boloko. Les gens vont t'oublier. Batu bakobosa na yo. Il y en a, vous ne comprenez pas. Les gens vous ont oublié. Les gens ont même effacé votre numéro de téléphone. C'est parce que vous êtes en prison. On se souvient difficilement d'un prisonnier. Même nous qui sommes en liberté. Ce n'est pas chaque jour qu'on sera en prison. C'est pourquoi la Bible nous dit, souvenez-vous des prisonniers. On se souvient difficilement d'un prisonnier. Il y a des gens qui sont là. On vous a oublié. À cette saison du jubilé. J'ai dit que Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Au nom de Jésus-Christ. Regarde-moi, je déchire. Le vêtement des prisonniers. Au nom de Jésus. Le vêtement d'esclavage. Bilamba boum. Les gens se servent de toi pour monter. En cette saison du jubilé. J'ai dit que c'est fini. Na lobi esili. C'est fini. 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 Esili. C'est le jubilé. Eza jubilé. On doit proclamer la liberté. Seigneur, il doit être la bosomi. À tous les prisonniers. Na bakanga minyoso. Tu ne seras pas un escalier. Okozala te o bazo mata likolo na yo. Pour rester là. Pona koti kalana. Non. Ça c'est fini. Et sili. Parce que nous sommes dans la saison du jubilé. Jubilé. Dieu va se souvenir de toi. Zamba ko kanisa yo. Dieu va se souvenir de Zamba ko kanisa libota na yo. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Christ. Là dans la prison. Na katia boloko. On lui a fait porter des vêtements. Ba latisi bilamba. Ces agents de bénédiction l'ont oublié. Ba muto ba mateka bosani. Quelqu'un qui est en prison, on va lui faire porter beaucoup de types de vêtements. Un autre type de vêtements, c'est les vêtements de deuil.
Avant de revenir sur ça, quand tu es en prison, dans tes rêves, tu verras que tu es en train de servir les autres. Tu es en train de préparer pour les autres. Tu es en train de balayer la maison d'autrui. Tu es en train de transporter des charges. Parce que spirituellement, tu es un esclave. On se sert de toi. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Comme si vous avez travaillé. Oui. Dans le monde spirituel. On se sert de toi comme un cheval. Dans cette saison du jubilé. Tout jubilé. Cela prend fait au nom de Jésus. Tout cela prend fait au nom de Jésus. Tout cela prend fait au nom de Jésus. Tu ne seras plus leur esclave. Tu ne seras plus leur cheval. Tu ne seras plus leur domestique. Au nom de Jésus Christ. J'ai reçu le cas d'une dame. Elle est dans les affaires. Mais ça ne marche pas. Chaque nuit, elle se voit chez sa tante. En train de préparer des grosses marmites de fufu. Elle est en train de travailler. De travailler. De travailler. Et la journée, ça ne marche pas. Quand nous avons dit non, tu es en prison. Tu portes les vêtements d'esclaves. En cette saison du jubilé, tu déclares tout esclavage. Refait au nom de Jésus. 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 Dis après moi, je déchire. Le valanga, je déchire. Le vêtement d'esclavage. Le vêtement d'esclavage. Au nom de Jésus-Christ. Le vêtement de deuil. Bilamba ya matanga. Il y en a qui sont là. Ezana bawo bazana. Quand vous regardez votre vie, tango talibo moinao, c'est le deuil. Eza matanga. Il n'y a pas la joie. Et sengwezate. Tu es en train de pleurer. Ozolela. Ta vie c'est le pleur. Bomo ino eza kolela. Tu fais les deuils des bonnes choses. Oyo sala matanga ya makambo malamu. Il y a des gens qui sont là. Ezala batu bazawana. Quand les bonnes choses commencent à arriver. Tango makambo malamu ezoya. Au lieu de se réjouir. Nesika kosepela. Elle commence à pleurer. Bani kolela. Parce que ça ne va pas durer. Poeko umela te. Ah, cette saison du jubilé. Eleko ya jubilé. Je proclame fini les deuils. Na tatoli matanga sili. Matanga sili. Fini les deuils. Matanga sili. Fini les deuils. Matanga sili. Au nom de Jésus Christ. Jésus est le jubilé. Yesu aza jubilé. Il rencontre une femme. Akutani na mwasi moko. Veuve. Wa beaucoup fisa mobali. Qui vient de perdre son fils unique. Aoti kobungisa mwana alikinda. Cette femme est habituée dans une vie de deuil. Mwasi a mesana na bomo ya matanga. Sa vie s'est pleurée. Bomo ineza kolela. Pleurée. Kolela. Ce jour-là, il rencontre Jésus. Akutani na Yesu. Le jubilé. Il jubilé. Celui qui me fait au plaisir. Il y a celui qui s'est accolé là. Celui qui chante les deuils en joie. Il y a bongo la kamatanga na esengo. Malibon de linga. Na eleko ya jubilé. Que les deuils puissent prendre fin. Matanga sila. Que la tristesse soit changée en joie. Passez bongo na esengo. Au nom de Jésus-Christ. Il dit stop. Alobi esili. Tu as beaucoup pleuré. Oleli ming. Tu as beaucoup pleuré. C'est fini. Et koki. À partir de maintenant. Entre dans ta saison de jubilé. Kota ne le kona jubilé. Femme, entre dans ta saison. Moi si kota ne le kona jubilé. Oh, il y a une femme. Et ça n'a moi si moko. La sima mikululu oyo. Entre dans la saison de jubilé. Azo kota na le kwa jubilé. Tu ne pleureras plus. O kole la lisusute. C'est fini. Et sili. Au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Kristo. Ce jour-là. Mukolo wana. Jésus a dit fini les deuils. Yesu lo bi matanga isili. It's over. Et sili. It's over. Et sili. C'est fini. Et sili. Les deuils. Matanga. Dans ta vie. Na bomo inayo. C'est fini. Et sili. Parce que je suis la résurrection. Poete na dalise quoi. Et la vie. Pe bomoi. Et la vie. Pe bomoi. Que la vie de Dieu entre dans ta bon, famille. Bomo yenzambe kote na bota na yo. Que la vie de Dieu entre dans tes affaires. Bomo yenzambe kote na mombongo na na komo na Yesu. Que la vie de Dieu entre dans ta santé. Bomo yenzambe kote na nzoto na na komo na Yesu. Le deuil. Matanga.
de bonnes choses. Ya makamba mala. Le deuil de relations. Matanga ya boyebani. Ça va prendre fin. Ekosila. Il y a des gens qui pleurent à propos de leurs affaires. Ezala bato bazolela pona mbongo na bango. Tu vois comment les affaires sont en train de partir en fumée. Ozomuna ndini mbongo ezokende. Ah, cette saison du jubilé. Les corps ya jubilé. Les choses changent. Makambo zo bongo. Je dis que les choses changent. Na lobi makambo zo bongo. Je dis que les choses changent. Na ebisio makambo zo bongo. Parce que Jésus. Pour être Yesu. N'est pas seulement la vie. Azaka kabo moite. Azabelise quoi? Azalise quoi? Azalise quoi? C'est-à-dire que ce qui est mort. Et lui, on le parle, il couffe à qui? Ce n'est pas mort. Et couffité. Il peut faire revivre ça. Akoyiko sekwisa yango. Il peut faire revivre ça. Akoyiko sekwisa yango. Il peut faire revivre ça. Akoyiko sekwisa yango. Akoyiko sekwisa yango. Oh, en cette saison du jubilé. Na eleko ya jubilé. Je vois tes affaires revivre. Na zomona mombongo na okobika lisusu. Je vois tes projets revivre. Na zomona mabongisi na okobika lisusu. Au nom de Jésus-Christ. Na komo na Yesu Christ. Tout ce qui est à toi. Oh, nyoso za yo. Qui était au point mort. Je vois cela être ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ma saison du jubilé. C'est ma saison du jubilé. Amen. 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 Le fêtement de deuil. Bilamba ya matang. Est déchiré. Et katani. Et déchiré. Et katani. Et déchiré. Et katani. Et déchiré. Et katani. Au nom de Jésus-Christ. Na komba Jésus-Christ. Et au niveau des rêves, na o etali ba bandoto. Tu verras que chaque fois que tu rêves, tu es en habit noir. Ogumona tangu nyoso zo lota ozane lamba mwindo. Ça c'est les vêtements de deuil. Eza lamba matanga. Quand tu es en noir, tango zana mwindo, les gens ne vont pas te voir. Batu bakomona ote. Quand tu es en noir, tango zana mulili, tout ce que tu vas toucher, nyoso ko simba, va se détruire. Eko beba. Ce soir, pourquoi les loups? Tout vêtement de deuil. Et la magnon sur ma tangue. Et l'ongwa. Et brûlé par le feu. Et zika. Au nom de Jésus-Christ. La combo de Jésus-Christ. Et moi, j'enlève. J'enlève. Tout vêtement de deuil. Tout vêtement de deuil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Troisième type de vêtement. Et l'amba ya misato. C'est le vêtement de pauvreté. Eza elamba ya bobola. C'est ce vêtement qu'avait Bartimée. Eza elamba onde Bartimée azalaki nango. Il était mendiant. Azalaki aveugle. Azalaki o amona katepe muta ko senga senga. Quand tu es en prison, ezana boloko. Tu vas mener une vie de mendicité. Okobika bomo ya ko senga ka senga. Pour payer les loyers. Pona ko futa ndako, il faut senga. Pour manger, tu dois mendier. Pona olia osio senga. Il y a une sœur qui m'a fait pleurer. Et le pasteur, même pour manger, alors nous battez les patates pour na colia. Je dois commander. Et c'est une senga senga. Ma prière. Les bons délits n'ont pas. Si tu es à ce point là. Sous de sikawana. Cette saison du jubilé. Là il est quoi la jubilé? Que cette situation soit corrigée. L'ikamwana ici là. Que cette situation soit corrigée. L'ikamwana ici là. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je déchire. Je déchire. Tout vêtement. Tout vêtement de pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déchire. Je déchire. Tout vêtement de pauvreté. Tout vêtement de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, avec. Mosengi pe mutamona kate. Les vêtements de pauvreté. Et la maya bobola. Fais à ce que tu puisses avoir des dettes partout. Et ça la été aux ala ba nyongo bisika nyoso. Tu es endetté jusqu'au cou. Au ba ndo ba nyongo leki o même ndelo. Même certaines personnes t'injurient au téléphone. Ado du zo finga au téléphone. Je me rappelle un ami pasteur. Nous quand ça moninga mo mbata lipate. Nous étions à l'église comme ça. Tu sais qui l'église ya boy. Quelqu'un entre. Muta koti. Il dévasse cette personne. La personne commence à faire lever les gens à l'église. Il dit, je confisque les chaises, je pars avec ça. Quelle humiliation. Tout vêtement de pauvreté. Et l'amba nyosa bobola. Et déchiré. Et katani. 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 Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. En cette saison du jubilé, na eleko ya jubilé, je te vois sortir na zomona okobima, de la prison de pauvreté. Na boloko ya bobola. Au nom de Jésus-Christ. Mais
Il n'y a pas d'honneur dans la pauvreté. Un pauvre est méprisé. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai commencé à combattre la pauvreté. J'étais animé d'une colère sainte. Il a dit les sentiers du juste. Et comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant, croissant de gloire en gloire. Quand j'ai compris cela, j'ai déchiré les vêtements de la pauvreté. J'ai dit, je ne peux pas être pauvre. Non, c'est fini. Je sors de cette prison de pauvreté. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, la le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emportent. Tu dois être violent pour sortir de la pauvreté, pour effacer ton nom et la liste des pauvres au nom de Jésus Christ. Je me suis retiré par force. Et aujourd'hui, Lélo, la pauvreté ne connaît pas mon nom. Bobole bi komo na ngate. Ne connaît pas mon nom. Eye bi komo na ngate. Ne connaît pas mon nom. Eye bi komo na ngate. Tu dois rejeter la pauvreté. Esengelo bwa ka bobola. Tu dois déchirer les vêtements. Esengelo kate la mba bobola. Ce n'est pas ta vie, ma sœur. Ezabo mo ino tende komo asi. Cette vie de dette par-ci par là. Komo ya konde fa de fata unyo. Cette vie où tu as même peur de répondre à ton propre téléphone. O bo moyo zo banga ta ko yamba soki ba bengi yo. Quand ça sonne ton cœur, commence à bouillonner. Tu changes même de voix. Tu changes même de voix. Non, ce n'est pas ta vie. Et là, tu seras une source de bénédiction. Alors, par toi, plusieurs doivent être bénis. En cette saison du jubilé, na eleko ya jubilé, toute pauvreté, bobola nyonso, esuka, 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 au nom de Jésus Christ. L'autre vêtement, c'est le vêtement de honte. Et l'amba, monsieur, c'est l'amba à Sony. La honte, l'humiliation. Sony. Dis après moi, tout vêtement de prisonnier. Tout vêtement de prisonnier. En cette saison du jubilé. En cette saison du jubilé. Soit ôté. Soit ôté. Et brûlé par le feu. Et brûlé par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, le vêtement de vivage. Et Asuka, c'est un vêtement de célibat. Et l'amba ya bonzemba. Ça t'empêche de te marier. Et zo peki so bala. On t'impose ça. Ba tio et balati yango nanko. C'est ça. La prison, c'est un lieu d'imposition. Boloko ise siko ba zo tio biloko nanko. On dit, toi là, tu es condamné à être seul. Alobi yo benga mi ozala kaka yo moko. Même quand tu te maries, atako bali. Tu es seul. Oza yo moko. Tu souffres seul. Ozo ni okayo moko. Tu n'es pas seul. Des fois tu te demandes, mais je suis marié ou pas? Non, c'est les vêtements. C'est une affaire de vêtements. Quand tu es en prison, on t'impose ça. On dit c'est ça, le vivage. Le célibat. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Au nom de Jésus-Christ. 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 Ce soir. Pourquoi les lots? J'aimerais que tu puisses prier. Na lingo bonde là. Que Dieu te délivre. Nzamba kangola yo. De toute situation de prison. Na nyoso ya boloko. Où tu te trouves? Oh zomikuta. Où se trouve ta famille? Oh libota lo zomikuta. Paul et Silas. Paul na Silas étaient en prison. Bazalaki na boloko. Ils ont invité Dieu.
Quand Dieu est venu, la prison s'est brisée. Nous voulons inviter Dieu qu'il entre dans notre emprisonnement. C'est la saison du jubilé. Seigneur, viens. Descends dans ma vie. Descends dans ma famille. Mets fin à tout emprisonnement. Mets fin, Seigneur, à toute privation de liberté. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.